Et salut à tous et à tous, c'est The King et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je farmais les paliers pour être palier 100. Donc, la dernière vidéo, je sais pas, j'étais palier combien, mais là vous pouvez l'apercevoir, je suis palier 95. Donc, j'ai terminé tous les défis, même la semaine 7, pour avoir le skin visiteur. Donc, je sais qu'il est un peu vieux maintenant le skin visiteur, celui-ci. Et aussi, je fermais les niveaux pour avoir l'armure carburant au maximum. Donc, je vais mettre le chef de section et nous allons lancer une game tout de suite. Donc, aussi, je voulais vous faire part de ce que j'avais fait. J'ai réussi à accéder au mode terrain de jeu. Une seule partie ou deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce mode super parce que pour tous les gens qui n'ont pas de partie, qui n'ont pas les parties personnalisées comme ici, créer de groupage sélectif, etc. Et bah c'est vraiment bien parce que tu t'amuses entre potes. Moi j'étais en squad, on s'amusait à se combattre, à faire des défis, des constructions, tout ça, c'était vraiment marrant. Donc j'ai arrêté de vous embêter avec l'intro et à tout de suite pour la vidéo. Donc aussi j'ai oublié de vous préciser mais il y a le nouveau gun, deux fois plus mal, le tout nouveau pistolet double, inflige une double rasade de je sais plus quoi. Donc en tout ça veut dire qu'il tire deux fois, je sais que les dégâts dans la tête sont de 86 et pas dans la tête je crois c'est 41, un truc comme ça. Donc il existe en épique et en légendaire. Et à tout de suite pour la vidéo. Donc re les gens, on se retrouve dans le battle bus. Donc je vais aller, faut que je trouve un endroit où aller. Je pense que je vais aller aller de Stidivo. Hop. Ah c'est stylé comment on met les points maintenant. Bon je savais déjà que les points se mettaient comme ça parce que j'ai déjà vu des streamers ou des youtubeurs jouer à Fortnite bien sûr. Et parler de la nouvelle mage, la nouvelle mise à jour qui est assez horrible pour les fusils à pompe. Et superbe pour les pistolets mitrailleurs. Et j'ai vu donc que ces points eh ben, ressortaient du sol. En faisaient une grande ligne dans l'air pour bien qu'on les voit. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme mise à jour. Enfin, pas la mise à jour des pompes, mais comment ils mettent les points, je trouve c'est stylé parce que ça gêne plus. Avant, moi ça me gênait un peu là d'avoir un point sur la map. Ça c'était juste psychologique, mais c'est pas grave. Non, 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 ne me touche pas mec. Mort. Chut, faut pas faire de bruit. Yes, j'ai réussi à m'enfuir les gens, mais c'est what the fuck? Là, je vais me faire tuer, c'est sûr. Allez, go buter le mec là. Ça va être chaud. Oh! Le nouveau. Enfin, le pistolet mitrailleur qui est devenu tellement fort. Oh, cette petite tête. Il a pris cher. Ouais non je vais garder chasseur. Enfin je vais garder tactique pistolet mitrailleur. Parce que c'est tout simplement très puissant. Ah c'est vrai je suis là. On va prendre cette arme thermique. Attendez, je sais pas en fait. Allez, je prends ça. Je suis à 1 kill avec le stuff de 3 personnes au moins. Donc c'est pas super, enfin si c'est cool pour moi mais pas pour les gens qui se sont fait buter et pour le mec qui avait buté tout le monde. Regardez, il avait pas mal de construits déjà. J'ai un peu fait le ramasse-miettes là, je l'avoue complètement. Ah bah. Je vais devoir retourner en arrière. Mais non, je vais pas prendre le pistolet, je vais prendre juste les munitions.
Alors, il est où le dernier mini-shield? Voilà, juste là. Hop. Et je me retrouve avec 4 mini-shields à la place de 3. C'est toujours mieux que 3, hein. Je pense que vous le savez. Pas d'autres gens habités. Je crois que tous les gens qui étaient ici se sont fait tuer par la même personne. Le mec qui avait un chasseur au début. Et qui m'a pas vu, je me suis enfui, je suis allé chercher un tactique et je l'ai buté. J'ai entendu un loot, un là-bas. Oh, c'est même en jaune le petit carré, j'avais pas vu. Tellement j'utilise jamais l'arme thermique, j'avais pas remarqué que c'était en jaune les espèces de cubes des loot ou des drops. Comme vous voulez. Hop. Ah bah il y a des champignons, mais ça sert à rien pour l'instant. Vu que j'ai déjà assez de shield, je suis à 100 shield. Oh, je l'ai cassé en entier là, normalement je vais me faire repérer. Ah, attendez, il y a du stuff. Quelqu'un s'est fait buter. Ou quelqu'un s'est suicidé. J'ai cru entendre quelqu'un en fait. Non, je crois pas qu'on peut faire comme ça. Par contre, on peut faire comme ça. Cacher ça comme ça, personne pourra le prendre. À part ceux qui casseront la pyramide. J'allais voir à Salty Spring maintenant. Parce qu'il peut toujours y avoir un peu de monde. Ah ouais, là il y a du monde. Enfin, je vois déjà un mec. Ah, il m'a vu. What? Ah, sur les télés, il y a ça maintenant. Non. Ça part en gros fight. Moi qui m'embrouille. Et hop. Et ça se termine. Alors, il a les nouveaux double guns. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il avait un jump pad? Non, il avait pas de tremplin. Bon, le mec, je crois qu'il s'est un peu embrouillé dans ses construits. Et je perds des dégâts de chute. Je suis vraiment dégoûtée. Y'a pas un kit là-haut. Le problème c'est que là je risque ma vie. Juste pour un kit parce que n'importe qui peut faire tomber ça et je meurs en fait. Bon là j'ai pas switch d'arme parce que je savais qu'il allait mourir direct. Une balle dans la tête. Ah oui, c'est vrai que ça one-shot plus le pompe. En vrai, j'aurais pu essayer de switch au cas où il serait pas mort. Par contre, là, il y a un petit coffre. Le mec, il avait le double gun. Donc... Ah non, c'est pas le double gun. Moi, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je l'ai même pas remarqué. Attends. J'ai un doute. Désolé, les gens. Si vous voulez passer un peu dans la vidéo, là, mais... J'ai un...
un doute si j'ai pas pris un bourlingueur à la place du double gun. J'ai un gros gros doute. Ah non, bah voilà. Bon bah désolé pour cette petite intervention qui n'aura pas trop fait avancer la vidéo, mais bon. Si j'aurais encore pris des dégâts de chute là, ça m'aurait fait ringuer. Lui il m'a utilisé toutes les constructions hein. Toutes mes constructions avec son gros fight. Oh bah vu que ça maintenant c'est devenu cheaté. Ah bon bah c'est pas grave, je vais quand même le garder. Il y a eu beaucoup de fights ici hein. Aussi ça s'attire des espèces de petits feux d'artifice. Donc donc c'est pour ça que je prends. Parce que je trouve que c'est stylé avec les petits feux d'artifice. Et que maintenant il est grave cheaté. Donc si je veux essayer de faire la victoire, bah ça pourrait être pas mal. Faut vraiment que je trouve plus de construits là parce que vu le fight, là je sais pas, je devais être à 500 de bois ou 400. Bon, je regarderai la rediffusion de la vidéo. Enfin, pas la rediffusion, on n'est pas dans un live là. Je re-regarderai la vidéo pour voir j'étais à combien de bois parce que il a dû m'en utiliser beaucoup le mec. En me faisant monter aussi haut. Donc là franchement je sais pas où est-ce qu'on peut aller. Bah en fait j'ai spawn à Dusty, je suis partie de Dusty et là on retourne au point de départ. Et on repart à Dusty. Je pense qu'à Dusty il y aura un peu de fight. Ah ouais bah voilà déjà là il y a un mec. Et il va sans doute se remettre du shield. Ouf. Oh le bâtard. Ah il a bien joué. GG mec. Hein. Je sais pas il en a combien mais... Voilà pourquoi je dis qu'il faut toujours prendre le tactique, parce que regardez comment c'est puissant. Oh! Les nouveaux double guns! Oh, je suis trop content, les gens! Ça fait mal aussi! Je sens que quelqu'un va nous faire tomber. Ou que lui va me faire tomber. Et hop. Le petit kill qui fait plaisir. Alors, t'as pas un pompe... Ah bah si. Voilà. Petit pompe tactique vert. Voilà. Bon, j'ai pas pu faire de kill avec le nouveau double gun, mais au moins je l'aurais mis un petit 72 dans la tête et je pense que ça,
Il a dû un peu stresser quand tu lui as mis cette... quand je lui ai calé la balle. Il reste 8 joueurs contre moi. Donc là, pour information aussi, c'est ma première game de la journée. C'est pour ça que je stresse autant. Là, j'ai pas de caméra pour voir comment je stresse. Comment je tremble et tout là. Mais si j'en avais une, je pense que vous l'aurez déjà remarqué. Hein. Une webcam pour ceux qui savent pas de quoi je parle. Je parlais d'une webcam, mais juste que je suis pas bien arrivé à m'exprimer. Oh, faut que j'arrête de bégayer là parce que c'est juste le stress qui me fait faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer double chasseur parce que franchement double tactique c'est... Enfin moi je le préfère. Parce que déjà tu mets une balle de chasseur, le mec il est low. Après tu le finis. J'ai vu une vidéo, un mec qui avait posé un piège là-dedans. Donc je vais pas passer. Pour faire une petite dédicace, c'était Pelote de laine, il avait fait un piège. Et il se cachait là. Et là il y avait un piège là, donc je vais pas passer là au cas où il y a un piège. Par contre, ça m'a tiré snipe aussi dessus, je crois. Lui m'a enlevé tout mon shield. Hein. Campé dans son petit bush. J'espère qu'il a un medkit. Est-ce que j'ai un campfire? Yes! Ça me tire et snipe dessus, ça je sais que je l'ai déjà dit, mais j'essaie de trouver la pause. Où est-ce qu'il était le mec? Allez, je suis bientôt à 100 de vie. Oh, les campfires ça dépanne, mais tellement. Oh, il est là. Par contre, là, je suis à 999 de 999 de bois. Et hop. Alors. Lui aussi, il avait les double guns. Ben, tout le monde les a en ce moment. Je crois pas qu'ils sont hyper rares, hein, les double guns. Je vais essayer de faire le dernier kill si jamais je suis en top 2 avec le double gun. Ça serait le minimum. Là-bas, il y a un snipe sur la colline. Oh non, j'aime pas les cancers. J'ai hésité à jouer cancer au début, je pense que vous l'avez remarqué. Hop. Il est là-bas le dernier. Non, il est pas là.
Où est-ce qu'il est? Par contre, j'ai entendu qu'il jouait snipe. Hein. Oh, il m'a mis l'eau. Il m'a mis l'eau, il m'a mis l'eau. Ça va partir en top 2, je pense. Il s'est pris une tête. Tête à 41, non mais oh! T'es sérieux? Ah, il spam, hein, il est chiant. On peut le dire, il est chiant. C'est pas possible! C'est quoi cette malchance qui se retourne contre moi? J'essaye de faire le dernier kill au double gun et mon shoot il est complètement pété. J'aurais pu le buter à la SCAR, aux pompes, à tout ce que tu veux. Et je fais un top 2 en essayant de le buter au double gun. C'est quoi ce bordel? Oh, ça me fait rager, ça me fait rager. Oh, je suis le plus gros noob là, c'est what the fuck? Le karma, c'est pas possible. C'est quoi ce karma? Bon bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Le temps que je me remette de cette malchance. Ce karma qui s'est retourné contre moi. Allez, salut! À plus pour une prochaine vidéo.